Est-ce que c'est la Xbox qui gagne cette console war? Est-ce que c'est la PlayStation? Parce que derrière, il y a deux personnes qui représentent leur communauté, leur plateforme, etc., etc. D'un côté, la Xbox. De l'autre côté, la PlayStation. Et ça va être un chouette match. On se retrouve donc pour cette grande finale de cette console war, à savoir entre Sanzo sur PlayStation versus Venox sur Xbox. Qui va gagner? Sanzo a trop de mécaniques pour Venox. Venox va se demander comment il perd. Vous pensez? Je ne sais pas. On aura la réponse d'ici quelques minutes. Une fois de plus, et je le rappellerai tout à l'heure, merci à Oli. C'est grâce à eux qu'on peut donner du coup 1000 balles et sortir 1000 balles comme ça cash pour le vainqueur, puisque oui, le vainqueur repartira avec 1000 euros. Du coup, quelles maps seront disponibles dans ce BO3? Parce que oui, eh bien, les maps sont soumises au vote du public. Ok, du coup, Chalet, Oregon et Tower. J'ai l'impression qu'on a Sanzo, du coup, qui va pick Chalet. Je sais pas pourquoi je sens qu'il va prendre Tower. Pour essayer de surprendre et pour mettre en avant sa capacité à s'adapter. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben non, pas du tout. On reste dans du classique. On est sur Oregon pris par Vexo. Et on va choisir directement le side. À mon avis, c'est ce qui reste encore à choisir. Il est en train de réfléchir. Après, bon, ça n'a pas une importance dans le sens où ça switch tous les rounds. Eh ben voilà, il vient de pick. Et pareil, lui commence sera en défense sur Oregon. Bon, on a du classique de chez classique, honnêtement. Chalet, Oregon, Tower en decider. Et là, pour le coup, eh bien, si on allait jusqu'en decider, ce serait Sanzo qui commencerait en défense et ce serait en attaque. Du coup, notre cher et tendre joueur Xbox. Ok, les amis, c'est la grande finale. On peut laisser Sound pour la grande finale? Non. Pourquoi je vais laisser le Sound, mon gars? C'est simple. Si on met le Sound de Sanzo, ça va donner un truc du genre... Didier! 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 Didier, il gagne le petit ou pas? Allez, en avant. Monty face à Warden. On le rappelle, c'est PlayStation face à Xbox. Oh, il l'avait pas entendu! Il l'a pas vu! Il va le corner! Oh là 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 là! Et c'est le premier round qui part pour la PlayStation. C'est Sanzo qui le met. Oh! Oh! Il y va au pistol! Il y va au pistol! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Il va lui sauter dessus! Il push sur site! Il est au niveau du piano! Il s'en prend plein la gueule! Il en a plein les poumons! Il a un HP! Il le sait qu'il arrive! Check au pic, c'est bien joué de la part de Venox. Oh, il égale. Il est trop fort. La Xbox est bien meilleure que la PlayStation. Depuis tant d'années, j'avais envie de vous le dire. Peut pas blairer la PlayStation. Vous êtes trop des fils de... Vous êtes la pire communauté. Votre console, elle est moche. C'est un peu tôt, non? C'est vrai qu'il y a que un... C'était ce que je voulais dire à la fin. J'ai complètement niqué mon speech de fin. Ok, ça push. Derrière, vous avez vu un peu, il a ouvert plus de murs renforcés que vous ne le faites dans vos 5v5. Il drone, il prend l'info, un peu risqué, ça aurait pu pusher de l'autre côté. Il l'a vu, il arrive, coucou, c'est Wham. Il lui fait, petit fire, il le push. Bonjour, c'est moi le frigo. Bam! Oh là là! Ah ouais les gars! Ah ouais! Bam! Il avait encore jamais utilisé Echo. Il va faire tous les opérateurs, le mec. Alors que les autres derrière, ils sont tous là. Yana, Buck. Oh, mon poster de chez Echo. Oh oui. Bam, il sort. Bam, ça porte ses balles. Oui, monsieur. Buck, il rentre. Bam, bam, bam. C'est Wham. J'arrive, je push. Je flash. Bam, il a flashé 3 livres et 2 romans. Ça décale, allez, voilà, voilà, ça m'énerve. Ne tombe pas dans son jeu, Venox. Ne tombe pas dans son jeu. Ne le joue pas sur des grandes lignes, là. En aim, il est fort. 4-1-3, du coup, Sanzo et sa chance reprennent le dessus. Le mec a un seum. 6-4, t'es un gros suceur de Xbox. Grave, ça prend l'info. Ok. Il a vu que le drone avait vu le drone. Mais qu'est-ce qu'ils font ces cons? Ils jouent à Rocket League. Mais ils se foutent de la gueule de qui ces deux fils de p***? Il y a 1000 balles à se faire. Ils sont en train de... Bah oui, bah si t'es là. Bah je suis là. Bah si t'es là, t'es là. C'est du 1v1 pendant... Vous êtes pas en train de donner les infos à l'autre? Il est là. Bah oui. Oh, non. Pourquoi?
Allez, Vénox. L'ouverture de la ligne. Non, non, ça c'est le... Ça, ça a rien à voir. Pourquoi tu tires là-dessus? Qu'est-ce qu'il avait fait? Et le tabouret, il a rien fait. 3 balles de map, les amis, pour la PlayStation. Ok, ça push. Le drone n'a pas été pété. It's up! Ok, bon, du coup, il y a 1-0, les amis. C'est un BO3. Donc, Sanzu, maintenant, eh ben, il a le droit à une erreur. Et Vénox n'a plus le droit à une seule erreur. Il devra gagner la prochaine map, à savoir sa map, qui sera Oregon, sur lequel il y a moins de grandes lignes, plus de verticalité, revenir à un partout. Et derrière, s'il voulait gagner, il devrait remporter aussi Tower, qui serait la dernière map, le decider dans cette finale d'anthologie entre Xbox et PlayStation 5. Est-ce que c'est Sanzu sur la PlayStation qui va enfoncer le clou, terminé, et ce soir il va se coucher avec 1000 euros en plus sur son compte en banque? Ou est-ce que Vénox va faire la remontada, gagner sur sa map Oregon et gagner derrière sur Tower sur son decider? On va le savoir dans moins de 3, 2, 1, en avant. Oregon. Sécurisation de zone, 30 secondes de phase de timer, 2 minutes 30 de phase d'action. Allez, derrière, Sanzu, il s'en bat les couilles, il arrive, il est sur le site, il prend les infos. Je pense qu'on a fait semblant de ne pas le voir. C'est combien votre fauve sur console, les amis? 90? Bah, 90, il le voit. Et là, il est en train de prendre l'info de savoir s'il y a une rota. Je pense qu'il l'a vu. Eh oui, parce qu'on est sur PlayStation. Hey, y'a un C4 à côté. Et si j'allais me coller à côté? Boum. Allez, go Vénox là. Oh, ça aurait pu être un énorme travers. Attention, 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 ça va jouer là-dessus. Il a vu la tête. Il a vu la tête. Et ça fait 2-0 pour Vénox. 2-0 pour Vénox. Je suis totalement impartial. Neutre. Merci d'apprécier mon cast et mon arbitrage à sa juste valeur. En final, ça va pas faire gagner grand chose de passer par la kids. En mode surprise, motherfucker. Faut essayer de faire le kill tout de suite dans ce cas-là. Ce qui peut être pas mal maintenant. Là, c'était trop téléphoné. Vénox, pour la première fois, qui va nous sortir un Blackbird. Il a fait 100% des opérateurs. Il les a tous faits. Oh, ça c'est beau ça. Il le sait, mais tu le sais. Lui aussi le sait. Attention, parce que là, t'as donné l'info par rapport à ton type d'arme. Donc forcément, il va tirer en dessous de la vitre. Il décale. Derrière, il casse pas le fil. Il est là, toujours. Ça, c'est intelligent. Il ne va pas rompre le fil. Il va l'empêcher de s'insérer. Attention. Il le voit, je te vois. Tu me vois, nous nous voyons. Oh! Et bien sûr, en termes de skill pur, Vénox est tellement chaud. Grâce à l'utilisation d'une manette qui est tellement mieux que cette bouse infâme qu'est la manette de PlayStation. Enfin, merci. Là, c'était surtout de la grosse chatte. Pas du tout, mais alors là, pas du tout. Ferme ta gueule, toi. Qu'est-ce que tu racontes? T'es gold. Pire, argent. Alors pourquoi tu parles? Oh, oh là, pas terrible la décale. Pas terrible, non, reste pas là. Reste pas là. Ah, ah, ah non, c'est pas ouf là. Là, je sais pas ce qu'il a fait là. Non, là, je suis pas d'accord. Non, là, c'était moche. Pourquoi? L'ouverture, ok, mais il se met mal sur l'angle, il est mal positionné, il se repositionne mal, et au niveau de son cerveau, c'est comme un fog of war sur League of Legends, quoi. Faut imaginer la possibilité qu'il puisse être là si vous l'avez pas droné, du coup. Il s'est fait surprendre par une position logique, en fait. 100% de cette thune va à la prod. Eh bien, n'hésitez pas à faire des dons comme Feno, comme Nico, même de 1€, c'est parfait. Non! Ça, c'est le problème des gens avec un quotient intellectuel trop important. Ça, ça a été ma hantise pendant des années. Parfois, t'es en train de réfléchir, etc. Tu te dis, on va faire ça, ça va être intéressant, etc. Mais t'as oublié. Il y a des mecs, c'est des fils de p***. Ils font des grands tout droits, ils se retrouvent en face de toi. Et toi, t'es encore en train de réfléchir. Et ça fait 5 à 4.
Allez, attention, 6 à 4, 2 balles de match. Venox, il s'en bat les couilles, même pour une balle de match, il va aller à l'extérieur. Il va le tenter. Mais attention à Samzo. Il a vu, la porte est ouverte. Venox, il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles. Il est en tilt total. Le bomb site, il est en bas. Samzo, il va faire un grand tout droit. Il y va. Il sait faire ça. Boum, boum, j'y vais. Boum, boum, j'y vais. Je suis sur le site. Alors, tu fais quoi? Derrière, je flash le mur. Là, ça te prend quand même dans la gueule. Il l'a vu. Il flash à droite. Il flash à gauche. Et nocturne énorme. J'ai envie de la réaction à chaud de Venox et ensuite de la réaction du grand gagnant, celui qui repart avec 1000 balles, alors que Venox repartira avec le sentiment amer de s'être fait voler. Le mec insiste. Aucune impartialité. Genre zéro, t'sais, jusqu'à la fin. Oh, qu'est-ce que ça me fait rigoler. Ok, bonsoir. Bonsoir. Comment bonsoir. Ça va? Ça va, toi? Bah ouais, ça va. On n'a pas le droit à ta cam, Sanzo? Attends, jamais. Ah, quand même. Venox, GG quand même. C'était chouette. C'est quoi les impressions du coup? Bah, franchement, je m'attendais pas jusque-là. Moi, je suis content de moi-même. Parce que j'ai pas trop de shoot, tu vois. Mais je trouve que j'ai bien joué. Dans l'ensemble, j'ai bien joué, je trouve. Ouais, qu'est-ce qui a fait que t'as réussi à aller jusqu'en finale et la gagner sur Xbox? Bah, franchement, c'est que les gens savent pas trop bien jouer en montagne, certains. Et je sais pas, l'envie de très hard, l'envie de me la donner, je sais pas, ça peut-être fait un truc. Peut-être j'ai eu de la chance aussi, s'il y a une partie de chance là-dedans. Ouais, mais en revanche, chaque round, t'as quasiment utilisé l'ensemble de tous les opérateurs. Hein. T'as joué Blackbird, Buck, Nomad, Ash, Yana. T'as tout joué. Montagne, Blitz a été banni. Enfin, pas pendant la finale, mais quasiment pendant tous les opérateurs. Verticalité avec un Warden, C4 préplacé avec un Pulse, Lésion. À chaque fois, quasiment, tu disais ok, comment est-ce que je peux m'adapter et comment est-ce que je peux surprendre, quoi. Le push avec Amaru, parfois avec une arme. Le push avec Amaru, parfois avec un shotgun. Vraiment, il y a eu des trucs. Vraiment, c'était vraiment incroyable. T'as très bien joué et félicitations à toi. Du coup, avant de te remercier et de passer avec le grand gagnant, c'est une compétition qui est winner takes all, hein, donc c'est le gagnant prend tout, il y a 1000 balles pour le gagnant. Néanmoins, Oli, ouais. Je leur ai demandé de faire un petit effort, etc. Et ils m'ont envoyé tout à l'heure un message, donc ce qui veut dire que pendant absolument un an, tu seras abonné gratuitement à Oli. Tu recevras, dès que tu le souhaiteras, tout ce que tu veux avec Oli directement. Bah c'est carré. Exactement, bah, comme moi. Eh ben merci à toi d'avoir participé en tout cas. De rien. Ciao Venox, bye. Ciao. Ok, bon, le grand vainqueur, c'est quoi les impressions alors? Les impressions, je suis vraiment fier. Je sais même pas quoi dire. C'est... Après, je pense que ça a été un avantage de jouer le tournoi PS en premier. Ouais. Comme ça, j'ai pu voir tous les joueurs jouer, voir même le finaliste, comment ils pouvaient jouer. J'ai vu qu'il y a les... Enfin, je vous mens pas que j'ai très stressé du montagne. Ouais. Je me suis dit, je banne Blizz, je banne montagne, je sais pas. J'ai même été en PP avec des potes qui je leur ai dit de prendre montagne, Blizz, voir lequel je peux le plus tuer. Je me suis dit, vas-y, je vais prendre une décision, je vais banne Blizz. Bref, t'as taffé, t'as tryhard, quoi. Premier round, ouais. Premier round, je tente de me cacher. Ça fonctionne et après je me dis je vais jouer au Rix, c'est un contre contre montagne et puis ça s'est très bien passé, hein. Ouais, franchement c'était bien joué. Non t'as très bien joué et tu mérites totalement. Du coup là c'est Oli qui te contactera. Bah félicitations, premier vainqueur de la console War, non seulement en tant que joueur mais en plus en tant que représentant de la communauté PlayStation, hein, face à Xbox. Donc GG à toi, merci d'avoir participé, merci d'avoir été là. Tu vas faire quoi avec 1000€? D'accord, c'est ça. Franchement j'ai acheté un PC, hein. Ah, je suis tellement content. Un portable ou un fixe? Non, un PC gamer. Ah putain, meilleure réponse ever. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir en tout cas d'avoir un tournoi sur console. Très bien organisé, le staff et tout, nickel. C'est incroyable, merci. Eh ben, merci à toi d'avoir participé. Sans vous les participants, on n'aurait rien fait. Donc merci à toi et d'avoir été pro jusqu'au bout. De rien, merci. Bonne soirée, poulet. Donc du coup, merci à vous. La prod, justement, n'hésitez pas à les remercier. Axe Dinx, qui était avec moi au micro, qui reste pendant 2 jours, du coup. C'est lui qui récupère les flux. C'est lui qui discute avec les joueurs. C'est majoritairement lui qui récupère le flux des caméras. C'est lui qui fait en sorte que vous voyez apparaître à l'écran, apparaît à l'écran, d'accord. La récupération des flux, elle a été faite grâce à 2 observateurs qui sont aux membres de la SA et qui sont dans le pole event pour le coup. Tisma, hein, qui a été là jusqu'à la finale, et Jericho pour le coup, qui sont restés pendant 2 jours. Du coup, tout ça part pour la prod, donc merci pour eux. Bien évidemment, merci à tout le staff annexe de la Salty Academy, bien évidemment, les admins et le pole event de la Salty Academy qui gère le tournoi sur Challenger Mode, toutes les personnes qui ont fait le FAQ, les petites vidéos, etc. etc. Voilà, donc ça, le pole event, la partie surveillant pour nous, chez nous, les surveillants, c'est les modérateurs, qui est un peu plus strict chez nous qu'ailleurs, très certainement, mais c'est voulu, vous êtes absolument des monstres.
Merci à Oli, une fois de plus, parce que c'est pas facile pour nous d'aller chercher des sponsors. Voilà, je pense à peu près avoir fait le tour. Sûrement pas, j'ai sûrement oublié les community managers, bien évidemment, qui font un travail admirable. Les personnes qui vont s'occuper sur la chaîne YouTube, c'est les monteurs, vous les voyez passer de temps en temps. Et les designers du campus, bien évidemment. Ça, c'est pareil, on est une toute petite chaîne. Bah, l'algorithme ne nous aide pas, va pas forcément nous mettre en avant. Et pour qu'on soit mis en avant, eh bien, il faut liker les vidéos, il faut mettre des commentaires à la con. En règle générale, on les lit, vous le voyez, moi je réponds de temps en temps sur les commentaires, pas tout le temps, mais sachez que ça nous aide énormément, ce genre de truc-là. Voilà, je pense que c'est le tout. Merci à tous les participants, j'étais agréablement surpris. C'est beaucoup plus difficile pour nous d'organiser des trucs sur console. C'est plus de tickets à gérer, c'est plus de drama à gérer, c'est plus de personnes qui n'ont pas forcément la conscience professionnelle du côté prod, c'est des personnes qui sont plus jeunes, etc., etc. Mais, vu les chiffres, etc., c'est pas impossible qu'on refasse quelque chose si vous le souhaitez. Je ne sais pas quand, mais on fera quelque chose.